Depuis le début de cette semaine, nous parlons du corps, image de l'Église, et au travers de cette image, nous avons déjà vu que nous sommes différents, les membres sont différents, et que chacun de nous, comme chaque membre dans le corps, est utile. Voyons voir aujourd'hui comment ce corps est relié. Il est important de réfléchir ensemble à ce qui nous unit, à ce qui fait qu'on est reliés les uns aux autres. On pourrait penser que c'est la condition géographique. Il se trouve que j'habite dans le coin autour de Valence, alors du coup je vais à l'église M parce que j'habite dans le coin. On pourrait penser que ce sont nos affinités, les avec les uns et les autres, qui nous lient aux autres. C'est vrai que nous sommes amis avec des gens pour qui nous avons de la sympathie, on a du plaisir à passer du temps ensemble. On pourrait penser que c'est l'ambiance dans l'église qui fait que je suis reliée à l'église, la façon de louer Dieu, les activités, le projet. Toutes ces choses sont importantes et ont leur importance. Mais réalisons que toutes ces choses sont éphémères. Ce sont des considérations humaines. Il y a bien plus que cela qui nous unit et que nous devons ne pas oublier, ne pas occulter. C'est Dieu. C'est Dieu qui nous unit. C'est lui qui a disposé chacune des parties du corps. C'est lui qui est le Père de chacun et qui est, du coup, notre Père en commun. C'est Christ qui nous unit. C'est lui qui nous a sauvés. C'est lui qui nous a acquis au prix de sa vie. C'est lui notre Sauveur. Notre foi en lui fait de nous membres du corps. C'est l'Esprit Saint qui habite en nous, qui atteste, qui confirme que nous sommes enfants de Dieu et il met en nous comme le sceau de notre appartenance au corps qui est une garantie, une des prémices de ce qui nous attend. Alors, puisque c'est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit qui nous unit, nous pouvons vivre pleinement ce qui est dit au verset 24 et 25 d'1 Corinthiens 12. Ainsi, il n'y a pas de division dans le corps. Mais les différentes parties ont toutes un égal souci les unes des autres. Si une partie du corps souffre, toutes les autres souffrent avec elle. Si une partie est honorée, toutes les autres s'en réjouissent avec elle. Autrement dit, c'est ainsi que nous manifestons notre unité, notre union commune, notre communion avec les autres membres du corps, quand nous avons le souci des uns des autres. Même si pour cela nous sommes amenés à souffrir avec ceux qui souffrent, à nous réjouir avec ceux qui se réjouissent, je me permets de vous lancer un défi aujourd'hui. Passez un coup de fil, appelez quelqu'un, envoyez un mot, un mail, un SMS, envoyez un signal à quelqu'un pour lui dire que vous vous souciez de lui, que vous êtes relié à lui par le même Père, par le même Seigneur, le Sauveur, et par le même Esprit qui nous habite.